Vous êtes sur RTL. Le saviez-vous, il est possible de partir en vacances en s'équipant français. Je vous le concède, c'est pas toujours facile. Les parasols, les maillots de bain, les serviettes de plage sont souvent étiquetés « made in China » ou bien « made in ailleurs » quelque part en Asie. Tiens, c'est le cas des tongs. Alors, il y a la célèbre tong brésilienne. Et puis, il y a tout un tas de modèles en plastique venus souvent de Chine. Et puis, il y a un fabricant français. C'est le dernier. Il est installé en Isère. Éric Vanier l'a rencontré. Couleur Tong, c'est la marque pour un été branché et patriote. RTL, un été made in France. Éric Vanier. C'est par le surf qu'Éric Meidiou est arrivé jusqu'à la tongue française. À l'époque, on est à la fin des années 80. Il travaillait dans un magasin de sport de glisse, sur la neige l'hiver et sur l'eau l'été, planches, vêtements, accessoires et... On vendait aussi à l'époque des tongs en plastique chinoises. Je trouvais ça très vilain. Et il se trouve que le hasard, par hasard, j'avais un voisin qui avait un petit bureau d'études de chaussures et je lui avais demandé tout simplement est-ce que tu pourrais pas me faire une tongue en cuir un petit peu jolie. Et voilà, ça avait commencé comme ça, donc il nous avait fait quelques échantillons, puis on s'est mis à les vendre, ça a pas mal marché, avec vraiment la volonté de faire 100% de la production en France et chez nous, ce qui est le cas actuellement. Sous la marque couleur Tongue, en France, 5 millions de claquettes en V sont vendues chaque année, toutes viennent d'Asie, sauf ces 5000 paires qui sortent de l'atelier d'Éric Meidiou et de ses deux associés à Vinay, entre Valence et Grenoble, pas très loin d'ailleurs de la capitale de la chaussure de luxe, Roman. Ces Tongues made in France sont reconnaissables à deux caractéristiques. Elles sont en cuir et pas en plastique. Elles sont très colorées. On a une gamme de coloris qui est très 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 large, qui serait absolument pas possible de faire en faisant de l'importation de produits asiatiques. Et on est capable de réagir très vite. C'est-à-dire qu'en début de saison, on voit très rapidement quels sont les coloris qui vont marcher. Ce qui marche cette année, qui n'avait pas du tout marché l'an dernier, c'est le turquoise et le vert. Et on refabrique en fonction de la demande. Pas de robots dans l'atelier, pas de production à la chaîne non plus. La difficulté quand on veut se passer de sous-traitants chinois, c'est de trouver des fournisseurs locaux pour les pièces indispensables à la fabrication. Le tissu industriel français a vachement diminué. Et il y a 20 ans en arrière, vous aviez des salons avec des fournisseurs dans tous les sens, de tout ce que vous vouliez, de ce mêle de sang, des cuissons, de broderie. Et maintenant, c'est quand même beaucoup plus difficile. Là, maintenant, vous êtes quand même obligé de raisonner au européen, donc il y a beaucoup moins d'offres. Au niveau français, par exemple, fabricant de semelles, il n'y a plus un seul fabricant de mousse qu'on utilise pour les semelles en France. La matière première utilisée reste malgré tout de grande qualité, le cuir notamment, qui vient d'Italie. Les tanneurs européens sont soumis à des règles environnementales qui sont drastiques, notamment en ce qui concerne la tenue en chlore dans les produits, etc. Et vous avez des qualités au niveau des couleurs, tout simplement, qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez trouver en Asie, par exemple. Ceci dit, les tongs d'Éric Meidiou sont bien conçu et assemblé en France, commercialisé aussi en France, circuit court, à un prix totalement assumé. Entre 39 et 49 euros prix public. Si on parle de produits comparables, c'est-à-dire des produits en cuir, on est tout à fait bien placé, voire moins cher que du produit en cuir asiatique. Ceci dit, je me suis rendu compte que dans de nombreux cas, quand les gens me demandent ce que je fais et je leur dis je fais des tongs made in France, avant même que je leur ai dit le prix, dans leur tête, c'est pas pour eux parce que c'est trop cher. Je fabrique des tongs en France. Oh là, bon, c'est pas pour moi. Ils me demandent même pas le prix, si vous voulez. Pourtant, il n'est pas trop inquiet pour la suite. Couleur tongs se porte plutôt bien et les perspectives sont encourageantes. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles, d'une façon générale, au mieux acheté. Mais dans le mieux acheté, je dis l'écologie, je dis le made in France, je dis le sociétal. C'est quand même une tendance lourde qui se développe et je pense qu'on est dedans. En tout cas, la progression de nos ventes le montre, qui peut durer. Et je l'espère, en tout cas. Nous aussi. Ah, la couleur tongue pour le couleurtongue.fr, hein, c'est le site du dernier fabricant de tongs français. Vous portez les des tongs? Turquoise, je veux bien, ouais. Ouais, vous les avez regardés un petit peu? Ouais. Vous portez des tongs, vous, Peggy? Oui, l'été, oui. Ouais. Quand je suis en vacances. Vous savez, moi, quand j'entends parler de tongs, j'ai envie de danser. Ah bon? Vous avez envie de danser tout le temps? Ah, mais tout oui. Tout le temps. La marche des tongs. Le film Camping, évidemment, avec Franck Dubosc. C'est notre réalisateur Pascal qui se fait plaisir. Arrêtez d'assumer, Dominique, c'est bon. Dernier week-end avant les vacances. Mais moi, je suis capable de danser sur du Daft Punk et puis sur la marche des tongs. C'est ça. Voilà, c'est ça. Allez regarder Dominique danser sur du Daft Punk, c'est sur la page Facebook d'RTL Matin Week-end. Quelqu'un d'éclectique.